Stefan Balkenhol est sculpteur. Son œuvre lui a valu une renommée internationale. Ses silhouettes, d'un seul tenant, sont taillées dans un bloc de bois massif. Sous son maillet et son ciseau, apparaissent entailles, aspérités, fissures. Les œuvres sont brutes et portent l'empreinte visible du travail. Je joue sur les proportions. Je crée des silhouettes plus petites ou plus grandes que la normale. Et les œuvres monumentales troublent particulièrement les gens. Automatiquement, ils s'imaginent qu'elles représentent un personnage célèbre, qu'il s'agit d'un monument, sinon pourquoi serait-elle aussi grande ? Beaucoup de visiteurs sont déconcertés. Ils se demandent qui c'est, alors qu'en fait, ce n'est personne en particulier. Il m'importe aussi de laisser une certaine liberté aux spectateurs. À eux de parachever la sculpture qu'ils regardent, de lui imaginer toutes les expressions possibles. Paisible, voire légèrement triste, discrète, simplement banale. À l'image de l'homme, en somme. Les créations du sculpteur sont dépourvues d'identité sociale. Simples et ordinaires, elles sont là, debout, stoïques. C'est leur apparente simplicité qui a fait la célébrité de leur créateur. De l'Amérique au Japon, Stefan Balkenhol est un artiste recherché. Ses œuvres sont cotées dans les ventes aux enchères et les expositions. Stefan Balkenhol sculpte chaque année plus d'une centaine de ses personnages ordinaires. Sa manière est élégante, rapide, virtuose. Il s'implique corps et âme, en véritable bourreau de travail. L'artiste ne travaille pas sur modèle, c'est son concept qui lui sert de guide. Ses œuvres taillées dans le bois fascinent. Elles sont à la fois brutes et extraordinairement précises. Il travaille le chêne, le peuplier, le cèdre ou le bois de Wawa. Quand il ne court pas le monde pour ses expositions, Stefan Balkenhol vit retiré entre l'Allemagne et la France. La paix qui habite ses sculptures, il la puise à l'écart des grandes villes. Son château, situé rue du Château, surplombe le petit village lorrain de Meisenthal. Mais ce petit château apéritif, comme le surnomme laconiquement l'artiste, consiste surtout en un empilement de pièces, les unes au-dessus des autres. Le château n'est jamais qu'une parodie de manoir. Le quotidien de la famille se déroule ici et là, d'un espace à l'autre. Stefan Balkenhol est né à Fritzlar. Une petite ville de Hesse, au cœur de l'Allemagne. Sa mère était femme au foyer, son père enseignait l'allemand, le français, la philosophie et l'histoire. Stefan a passé sa jeunesse à Luxembourg, puis à Cassel. Il était le cadet d'une fratrie de quatre garçons.
L'un des frères a pris la direction de la Société des Beaux-Arts de Cassel, un autre est professeur de cinéma, le troisième est décédé prématurément. J'ai toujours été fasciné par l'art. Il me stimule au plus haut point. Et il est la clé de mon épanouissement. En 1972, quand on habitait Cassel, je suis allé à la Documenta, la grande exposition d'art contemporain. Cette visite a eu une influence énorme sur moi. J'y ai découvert un mode d'expression et de réalisation personnelle. Stéphane étudie alors les beaux-arts. Il s'installe près de Hambourg, dans une petite maison où il vivra pendant 16 ans, avec un toit percé en guise de douche. À l'Académie des beaux-arts, il étudie l'art abstrait. Mais ce sont les statues de l'Égypte ancienne qui le fascinent. Réaliste, volontiers ascète, il perçoit qu'une statue figurative est bien plus qu'un bout de bois qui a pris apparence humaine. Elle est vivante et ouverte. Dans un bloc de peuplier, il sculpte une tête. Un petit scandale secoue la communauté artistique locale qui est hostile au figuratif. Peu importe, son jardin se peuple d'autres sculptures. Certaines n'aboutissent pas. Elles restent de simples bouts de bois, affublés de nez, d'yeux et d'oreilles, que Stéphane s'empresse de brûler. Il continue obstinément dans le figuratif, même si ce genre est mis à l'index. Dans ce contexte d'hostilité, justement, ma démarche revêtait un caractère signifiant. Créer une œuvre figurative, c'était une affirmation en soi. Bien plus que si j'avais fait mes études dans un environnement naturellement favorable à l'art figuratif. L'art était très centré sur lui-même. On s'intéressait aux processus, aux concepts, aux matériaux, aux installations, à l'espace, ce genre de choses. Moi, je tenais à remettre du vivant et de l'humain là-dedans. Dans un premier temps, j'ai fait un travail d'étude. J'ai créé des modèles, j'ai visité des musées pour voir comment on travaillait autrefois. Ensuite, j'ai essayé de savoir pourquoi, à un moment donné, il y avait eu une rupture. En fait, l'art naît toujours du manque. En d'autres termes, on crée ce qui n'existe pas. L'artiste est le seul individu à pouvoir réaliser ça. Ma démarche vient de là. Le 19e et le 20e siècle nous ont submergés de monuments. La sculpture avait surtout une fonction utilitaire. Elle devait représenter, illustrer des contenus sans rapport avec l'art. En réaction à cela, les artistes ont essayé tout simplement de remettre de l'art dans leur création. Mais ça impliquait de s'affranchir d'un tas de choses et notamment de changer son mode de travail. Avec le temps, la situation a évolué au point que je me suis dit, ça vaut le coup de s'y mettre. Et puis au fond, quand quelque chose est entre guillemets interdit, c'est justement là que ça devient intéressant pour l'artiste. L'interdit, c'est ce qui nous excite.
Autrefois, on faisait la distinction entre les différents types de sculptures. Il y a la sculpture par modelage, on modèle une forme dans un matériau mou. Le processus créatif se fait à partir de rien. En revanche, quand on sculpte un matériau dur, comme le bois ou la pierre, on taille, on enlève de la matière. Mon tempérament fait que je suis plutôt un sculpteur qui attaque, je taille dans la matière. D'ailleurs, le bois, qui est mon matériau de prédilection, m'oppose la juste quantité de résistance. Se pose aussi la question de la vitesse d'exécution. À quelle vitesse puis-je travailler? Le travail du bois est ce qui me correspond sans doute le mieux. Une fois qu'on est décidé à créer, qu'on a le temps et que rien ne vient faire diversion, les choses peuvent aller vite. En fait, l'artiste est comblé quand il travaille. C'est pour ça que je n'aime pas prendre de vacances. Pour moi, c'est une vraie punition de ne pas travailler. De l'ébauche à l'œuvre finale, quelques heures à peine sont nécessaires. L'arbre devient bloc de bois. Puis le bloc prend forme, minute après minute. Pour Stefan Balkenhol, le bois est un matériau vivant. Et son travail aussi est une confrontation vivante. L'artiste élimine toute caractéristique susceptible de personnifier sa figure. Une entreprise risquée. Car si, en fin de compte, il ne restait plus rien. Dégrossissage, puis élagage du superflu. Le travail sur une sculpture se termine abruptement. La silhouette demeure inachevée, sa surface est fissurée et rêche. Les détails, l'artiste se contente de les esquisser. La distance rajoute à l'illusion. On peut se contenter de voir une sculpture comme elle est, mais on peut aussi pousser la réflexion plus loin. Si on a des notions d'histoire de l'art, on possède plus de clés pour décoder une œuvre. Personnellement, j'établis toujours une comparaison avec la musique. C'est comme une fugue de Bach. On peut apprécier les notes telles quelles, apprécier l'harmonie ou la non-dissonance. Mais si on connaît les règles du contrepoint, par exemple, on a aussi accès à tout l'aspect mathématique qui se cache derrière. Conserver une certaine forme de candeur, c'est aussi, en fin de compte, l'un des objectifs de l'artiste. Faire ce qu'on osait faire quand on était enfant, mais qu'on ne fait plus à l'âge adulte parce que les blocages sont trop nombreux.
Dans le rythme effréné de notre société de consommation, les sculptures de Stefan Balkenhol sont comme des pôles de quiétude. Elles ne vendent, ni ne revendiquent rien. Elles se tiennent là, sans vanité aucune et sans pathos. Ces sculptures en bois et en bronze peint nous invitent à ralentir. Elles s'opposent à la gestuelle froide des icônes de la publicité et à leur accoutrement arrogant. Elles représentent l'homme ordinaire, le voisin d'à côté, intemporel et déconcertant de placidité. Serait-ce là une attaque de l'artiste Stefan Balkenhol contre les paradis de la consommation? Une fois par semaine au moins, il quitte son atelier lorrain pour se rendre à Karlsruhe, où il est professeur à l'Académie des Beaux-Arts. Un enseignement qui lui tient à cœur, et à ses élèves aussi d'ailleurs. Manako Shihata était étudiante aux Beaux-Arts à Tokyo. C'est en feuilletant un catalogue allemand qu'elle a découvert les œuvres de Stefan Balkenhol. La vue de ses sculptures de bois a bouleversé sa vie. C'était extraordinaire pour moi. Je n'avais jamais vu des sculptures de ce genre-là. Pleines d'énergie, même si elles sont taillées à grands coups. Je voulais absolument être son élève. Mais tous mes professeurs japonais me répétaient « Balkenhol est un artiste tellement célèbre que tu n'as pas la moindre chance. Tu vas devoir patienter au moins 4 ans. » Ils m'ont fait peur. L'Allemagne, c'était loin, mais tant pis. J'ai commencé par apprendre l'allemand parce que je tenais à pouvoir lui parler. Et puis je suis venue ici, à l'école. Je ne savais pas s'il viendrait ou pas. J'ai attendu dans la cour. Et il est venu. Il était très décontracté. Je lui ai dit, « Je viens du Japon pour vous rencontrer. Auriez-vous une minute à m'accorder ?» En fait, il n'avait pas du tout le temps. Mais il m'a quand même accordé une minute. Il a regardé mon dossier de présentation et il a aussitôt accepté de me prendre parmi ses élèves. La création artistique est une activité solitaire, c'est indispensable. Je veux être seul quand je crée, sans personne. D'ailleurs, la présence d'une équipe de tournage ici, c'est déjà limite. De ce fait, enseigner relève du défi pour moi. Parce que je suis obligé de mettre en mots, de formuler des choses que je ne formulerais pas autrement. Je crois aussi que nous avons une certaine responsabilité. On doit transmettre ce qu'on sait aux jeunes générations. Moi-même, j'ai hérité mon savoir des artistes et des professeurs qui m'ont formé. Annette Stout, sa compagne, a étudié la photographie d'art et le graphisme. Son travail est très différent de celui de Stefan Balkenhol. Dans ses collages photographiques, qui relèvent d'une haute technicité, Annette Stout combine des éléments de différentes époques. Elle rend visibles les contrastes esthétiques et remet en question l'objectivité de la représentation imagée.
Ici, c'est un bronze qui va naître. L'artiste façonne un modèle en argile. Il le recouvre d'un moule de cire qu'il enverra à un fondeur d'art, lequel coulera l'œuvre finale en bronze. Stefan Balkenhol a certes le tempérament d'un sculpteur qui frappe, qui taille, qui élague. Mais la sculpture par modelage lui offre l'opportunité de créer à partir du néant et de structurer la matière rapidement, schématiquement. Ce que j'aime chez les girafes, c'est leur regard doux, leurs yeux superbes et leur démarche, leur allure un peu ralentie. Notre rapport aux animaux est grandement influencé par notre regard humain. Nous projetons beaucoup sur les animaux. Nous leur attribuons, par exemple, certains traits de caractère. Le lion est paresseux, le serpent roublard ou méchant. Évidemment, c'est faux. Ils sont comme ils sont, fidèles à leur nature. Dans mon travail, il m'arrive souvent de vouloir des choses contradictoires. Si bien que je me trouve assis entre deux chaises. Je veux être au four et au moulin, comme on dit. La sculpture que Stefan Balkenhol est en train de créer ici est une commande de la chaîne culturelle Arte, située à Strasbourg. Le sculpteur, qui vit depuis longtemps déjà entre la France et l'Allemagne, a choisi de représenter une créature hybride, mi-homme, mi-girafe. On peut le voir comme une métaphore. Il y a des hommes qui ont quelque chose de la girafe et des girafes qui ont quelque chose de l'homme. Arte est une chaîne franco-allemande. Je trouve cette ambivalence intéressante. Thank you.